C'est à Amsterdam qu'a eu lieu la première mondiale d'un film que l'on croyait à jamais perdu. Un film de Dziga Vertov datant de 1921, il y a 100 ans exactement, l'âge aussi du théâtre Art déco Tuschinski. Dziga Vertov, le réalisateur mythique de l'avant-garde soviétique, auteur de L'homme à la caméra, était donc à l'honneur du Festival international du film documentaire d'Amsterdam, le plus grand rendez-vous planétaire pour les amateurs et les professionnels du film documentaire. L'historien du cinéma Nikolaï Izvolov présentait la version restaurée de l'histoire de la guerre civile de Dziga Vertov sur la guerre entre les bolcheviks et l'armée anti-révolutionnaire blanche. Ce film a été restauré cette année, exactement 100 ans après sa création. Bien sûr, de nombreux films du passé doivent maintenant être restaurés et même être retrouvés, car nous avons perdu environ 90% des films de l'époque du muet. C'est pourquoi nous, les historiens du cinéma, travaillons à la restauration de ces films, parfois en les présentant au public. Et en fait, nous sommes heureux que ce vieux film, l'histoire de la guerre civile, ait du succès. La projection était complète pour l'occasion. Le film n'existait plus que sur le papier et avait été dispersé après son unique projection en 1921 pour les 600 membres de l'Internationale communiste. Un film de propagande montrant l'écrasement sanglant des contre-révolutionnaires, les Blancs, par les bolcheviks. En Russie et dans le monde entier, personne ne connaît Philippe Mironov, ex-commandant dans l'armée rouge. Personne ne connaît Trotsky. On le connaît, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. Et ce film est très important parce que cette guerre a été très sanglante et reste très méconnue. Mais la Russie a perdu plusieurs millions de personnes dans cette guerre. Un passé peu glorieux, illustré par la cruauté des combats, les plans montrant Staline ont par ailleurs curieusement disparu malgré les recherches. La projection était accompagnée live par le groupe The Anvil Orchestra, mondialement connu pour sa mise en musique de films muets. L'écriture d'une musique originale pour le film de Vertov fut pour ses membres une expérience unique. J'ai aussi créé de nombreuses bandes-sons classiques. Par exemple, pour des documentaires à Sundance où l'on a des gens qui parlent, puis la création sonore et la musique qui est en arrière-plan. Mais ici, il n'y a que de la musique. Donc nous sommes les concepteurs sonores, mais aussi les narrateurs. Nous devons donc, séquence par séquence, être plus actifs pendant le film, car il n'y a pas de parole. Nous devons donc créer la narration et la conception sonore comme les explosions. Ainsi, quand Terry frappe son gong pile au moment de l'explosion, on a l'impression que la musique fait partie intégrante du film. Le film prend donc toute son ampleur avec la partition de The Anvil Orchestra et de ses deux musiciens compositeurs stars dans leur domaine. Terry Donahue est percussionniste, accordéoniste, et moi, je suis au clavier. Merci beaucoup, Anvil. Merci beaucoup. Le film sera présenté au printemps à Moscou pour sa première russe, puis à Venise lors de la prochaine Mostra. 100 ans après sa première et unique projection, The History of Civil War, l'histoire de la guerre civile de Dziga Vertov, est enfin visible par tous. Des images restaurées, surgies du passé et qui permettent de reconstituer l'histoire de l'Europe, de la Russie et du XXe siècle. À Amsterdam, Frédéric Ponsard pour Euronews.